Maintenant, la septième étape, c'est de dire merci à Dieu d'avoir exaucé ta prière. Dieu aime bien ça. C'est une manière de confesser ta foi. Seigneur, merci parce que je suis convaincu que tu m'as exaucé. Tu fais mal ça. Est-ce que tu m'as bien saisi? La Bible dit que tout ce que vous demandez, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu et tu verras cela s'accomplir. Crois. Donc tu fais une déclaration de foi en disant merci à Dieu parce que je crois que je l'ai reçu ça. Merci. Il faut terminer forcément par ça. Et quand tu finis de prier, il faut passer un moment de silence devant Dieu. Amen. Devant Dieu. Tu as parlé à Dieu. Tu vas te parler. Tu vas voir que tu vas avoir une vision. Mais tu vas commencer à parler ton édition. Tu vas te dire, va voir telle personne. La contention. Commence à te parler. Vous parlez, parlez. Vous levez. Moment de silence. Laisse Dieu. Il peut même te parler au début. Qu'est-ce qui te donne l'occasion de te parler? Si vous ne donnez pas l'occasion à Dieu de vous parler, c'est ça qui ne se réveille pas à vous. Pendant qu'il est en train de parler, il peut envoyer même un ange. La présence d'un ange. Il peut même commencer à prendre ton intuition. Tu te dis, ah, lui, c'est bien. Telle personne, c'est Dieu. Je m'appelle saisi. Il va commencer à parler à ton intuition. Tu vas parler. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu va commencer à te répondre. Et quand Dieu va commencer à t'exaucer, il va créer des connexions. Dieu va te mettre à va voir telle personne. Il peut ne pas te parler audiblement, mais ton intuition. Voir telle personne, faites tant comme ça, tant comme ça. C'est ça qui vous donne l'occasion à Dieu de t'exprimer aussi. Des fois, je te parler. Il ne faut pas parler toi seul, puis tu fais quoi. Non. Quand tu parles à quelqu'un au téléphone, portable, il te parle, il te parle. C'est comme ça. Permettez à Dieu aussi de changer avec vous. Amen. Un moment de silence dans la présence de Dieu. Vous allez voir que Dieu va commencer. Dans le calme et le silence que l'Éternel agit. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Maintenant, ce matin, je pense qu'on nous a bien enseigné ça ici. Amen. Avant de sortir de la maison, on ne sort pas comme ça d'une maison. Il y a ce qu'on appelle l'Europe. On ne sort pas comme ça d'une maison. Il faut commencer à dire à posséder la journée. Vous devez parler à la journée. Fort de la journée, ouvre-toi et lève-toi un tour. Quand on a commencé à parler à la journée, vous devez dire à la journée. Moi, il y a des gens qui sont là, qui viennent me nuire, tout cela. Tous leurs plans retournent à l'eau. Tu mets ça à l'eau, ça échoue. Amen. Amen. Si j'avais une voiture qui devait quitter, j'annule ça. Si j'avais quelque chose qui devait arriver, j'annule ça. Journée, je m'adresse à toi. Toi, je vous. Tu dois m'apporter l'argent. Tu dois m'apporter la santé. Les gens bizarres, là, faut pas les envoyer chez moi. Hein. Apporte-moi une bonne connexion. Le bonheur. C'est ce que David dit dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur doit t'accompagner tous les jours. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. Voilà. Et c'est ça qui est la transition entre le jour et la nuit. Vous connaissez bien l'aurore. C'est à partir de l'aurore, tout se produit. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Soyez des hommes de prière. Déjà à 3h30, je vais comprendre que vous devez réveiller. Moi, c'est quand c'est fini, c'est comme quelque chose dans moi. J'étais fatigué, mais je suis réveillé pour prier. Le jour où tu n'as pas prié, tu vas avoir des problèmes. Les disciples n'ont pas prié. Ils ont des problèmes. Quand il y a la persécution, ils ont fui. Ils ont fui, ils ont toujours des problèmes, ils ont fui. Parce que la chose que Dieu demande avec excès, c'est la prière. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. En tant que chrétien, ce contact-là, ne négligez jamais ça. La connexion avec Dieu. Amen. Ayez une vie de prière. Vous devez bannir de vous l'esprit de soumet. Tu m'as bien saisi? Bannissez ça. Sur cette terre, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre, ça serait dangereux. Dieu ne t'a pas créé pour jouer, pour entrer en possession de tes droits. Tu es venu là, c'est pas mourir pauvre, non. Mais tu peux mourir pauvre si tu ne connais pas tes droits. Amen. Et bien que tu, maintenant que tu es en Dieu, et qu'il t'a donné le pouvoir, si tu jouais ton pouvoir, c'est le diable qui va venir t'écraser. Il va t'écraser. Le diable a ses limites.
Lui, t'es bientôt. Toi, tu lui as dit, hé, tu touches pas. Tu touches pas. Je ne suis pas n'importe qui, tu ne touches pas. Amen. C'est pour ça que l'huile ne va même pas manquer chez vous. L'huile, vous voyez là. L'huile donc chante. C'est trop fort. Vous-même, vous avez vu petit sorcier hier. Hein? Les maladies d'esprit. Il dit, c'est dans ma gorge. Il dit, dans ma gorge, où il a empoisonné. L'huile, vous voyez là. Ça fait. Mais, ça fait tout, hein? Moi, j'ai vu combien de fois ça fait sortir les fibromes, les ventes. Vous ne savez pas qui est qui. Le fait de même de venir prier là, mettez ça dans vos mains. Vous parlez, mettez ça dans vos mains. Parce que quelqu'un peut te saluer, prends ta chance. Vous mettez là, vous parlez, mettez ça dans la main. Vous mettez ça dans vos oreilles. Quelqu'un peut te parler pour te détourner, pour penser. Et puis, il y a des gens comme ça. Pendant qu'il parle, il te vole. Pour ce pouvoir. Il n'y a pas de blague. Les gens me disent quand même, la nuit, les phénomènes. C'est ça, non? Pour le moment. Pendant qu'il parle à toi, il peut même te dire, il y a un peu de temps. Tu dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu te donnes ton portefeuille. Quand tu mets l'huile dans ta main, tu te mets. Quand vous avez des problèmes, savoir qui est la base de votre truc. Comme vous avez dit, en 4 jours, vous prenez l'huile. L'huile, là, en 4 jours, frottez ça sur votre tête avant de dormir. La première nuit, vous frottez. Mettez ça dans la main, vous frottez. La deuxième nuit, mettez ça. La troisième nuit, mettez. Vous allez voir 4e nuit, 5e nuit. Dieu va vous montrer. Amen. Dieu va vous montrer. Si vous voulez connaître sorcier dans votre maison, c'est facile. C'est huile, on mange ça. Préparez riz avec ça. Premier jour, deuxième jour, préparez riz. Tu vas voir quelqu'un en train de tousser la nuit. Il dit, viens, tu tousses beaucoup. Hein. Il y a quoi? Il y a quoi? Le point, je vais commencer à parler. Lui, c'est consacré. Consacré pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est ça. Notre huile, c'est consacré pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est ça qu'avant de sortir, je verse là, puis je mâche ça. Puis je parle. Partout où je passe, je vois que le maître là-bas. S'il y avait quelque chose qui a été mis un fétiche, je dois avoir la victoire. Et c'est ça que c'est important d'avoir ça. C'est vous. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Vous êtes puissant. Amen. Je suis avec vous. Amen. Amen. Vous êtes puissant parce que Dieu est avec vous. Amen. Je ne dis pas amen. Amen. Vous êtes puissant parce que Dieu est avec vous. Amen. Pour les femmes qui sont stériles, c'est-à-dire, ta grossesse se gâte. Quand tu prends la grossesse, ça se gâte. Quand tu prends une grossesse, ça se gâte. Quand tu prends une grossesse, ça se gâte. Tu prends l'huile. Ça se règle en 21 jours. Tu prends l'huile, vous verrez l'huile que vous voyez là. Vous prenez l'huile d'olive, l'huile d'onction plutôt. Vous avez l'huile d'onction consacrée. Vous prenez l'huile là, vous mettez son niveau de votre nombril. Vous commencez à parler. Parce que le fœtus va commencer à se former à partir du nombril. C'est là. Donc, vous commencez à parler. Vous dites, je dois procréer maintenant. Vous mettez les nuits avant de dormir. Pendant 21, j'allais 3 semaines. Vous allez voir que la semaine, les temps qui vont suivre, je vais commencer à s'opérer. Comme ça. Est-ce que vous m'avez bien saisi? C'est tout. Vous voulez voir une affaire, vous prenez l'huile. Vous avez quelqu'un qui doit prendre votre dossier. Vous le connaissez bien, vous connaissez son nom. À partir de 1h du matin, versez la goutte. Je vais parler, puis versez l'huile. Parlez pendant une semaine. Allez remettre le dossier. Tu vas prendre. Amen. Il va prendre ça, vite, vite. Il va prendre. Pendant une semaine, tu as un dossier. Tout ce travail, tout ce... Rien. L'improvisation n'existe pas. Le hasard n'existe pas. On est... Non, Dieu n'est pas dans l'improvisation. Tout se prépare. Et la nuit, tout se fait dans la nuit. À partir de 1h du matin, tu commences à parler. Quand tu entends, tu verses. Lui, il est témoin. Lui, la Bible dit que l'onction brille le jour. Si le même cœur dure, ça va commencer à briser son cœur. Quand tu as lui présenté le dossier, il va dire, ah, c'est toi, j'attendais. Tu l'as déjà préparé. Tu l'as déjà réglé ça. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Amen. Amen. Moi, ici, je devais faire un régime de commerce à Gagnoua.
Non, sa mère dit, calmez-moi. Si elle rentre dans les jurés de mes chers, elle me permet. J'ai maîtrisé son cœur. Je rentre du sourire. On dit qu'il te connaît. Tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu faire régime de commerce. Il dit, ça met du temps, hein. Mais j'ai envie de t'aider. Les gens me regardent. Et j'ai possédé son cœur. Il dit, laisse ton numéro si tu finis. Mais ça est parti, mon chemin chauffeur. Tout ce qui est dans notre. Il dit, mais vous ne savez pas ce qui est en vous. Si sorcier parle à ton cœur, il te prend. Si sorcier parle à ton âme, il a appris ça de qui? Il est où, il a appris ça? Oui, mais qui est dans la parole? C'est la parole. Entre Satan et Dieu, qui confie son camarade? Il a parlé à son cœur, il a mis par là. Il a parlé à Satan, il a créé des choses. Et vous jouez la parole. Moi, j'ai vu mes papiers, toi, me dit non, vous venez dans une semaine, comme les autres. Mais vous savez que le miracle, c'est surnaturel. Pour moi, ça doit être spécial. Ça n'est pas comme les autres. Donc, je parle, le gars me regarde, il sourit à moi. Comme ma vie un jour. Il est parlé à son père. Mais le gars, tu vois, il est fâché. Vous voulez quoi? Tout ce qu'il a dit là, c'est fermé. C'est fermé dans sa bouche. Ce qui en haut est puissant. Amen. Ce qui en haut est puissant. Amen. Amen. J'étais à la maison hier, quand je suis rentré, mec, j'étais couché, je me suis levé. Ceux qui étaient venus faire mon clip, il a appelé. Il dit, hé, prophète, c'est terrible, hein? Je viens à peine d'arriver chez moi. J'ai dit, quand tu me disais au revoir, j'ai dit à l'ange, je t'en comprends. Et ce que tu as dans la main, là, ça a emmené beaucoup de gens à la conversion. Donc, quand tu es arrivé, l'ange est venu me dire, ils sont arrivés. Vous ne savez pas que nous donnons des ordres aux anges. Je n'ai pas envie de vous donner ce testament. Parce que l'angélogie, on enseigne ça à l'école théologique. Ça fait partie de l'enseignement qu'on donne au pasteur. Mais vous, on vous enseigne comment chasser les démons seulement. Démons sorts, démons mari de nuit, démons femmes de nuit, démons sorts. Mais je suis en train de préparer des enseignements. Pour 2015, là. Oh, il y aura des grands enseignements. Amen. Je sais qu'ils sont contre moi, je sais qu'ils sont en train de faire des choses sur moi. Mais le jour que tu te décides, là, moi, il te fait tomber. Amen. Le jour que tu te décides, il te fait tomber. Amen. Ne jouez pas. Le pouvoir que Dieu vous donne, là, ne jouez pas ça. Amen. Il faut que les gens aient peur de vous. Amen. Si les gens n'ont pas peur de toi, c'est eux qui vont te faire. Amen. Amen. La Bible dit que tu seras appelé du nom de l'Éternel et qu'ils craindront. Le pouvoir, je vois ça. Le monsieur te voit, il doit avoir peur de toi. Là, ce qui est en toi, c'est fort. C'est la force de Dieu. Je vois, les gens sont en train de voir. Non. Je les regarde. Le jour où on prend une décision, c'est moi qui les écrase. Parce que Dieu est moi. Quand Dieu est toi, tout ce que tu fais là, ça marche. Ce qui est en vous là, c'est trop puissant. C'est trop dangereux, puissant. C'est trop dangereux. Ah, le petit, il vit jeune comme ça. Il prend des sorciers, il dit c'est sorcier, que ce sont ses camarades. Tu veux que tu dis sorcier, tu viens venir être aidé. Sorcier, tu peux le David dit c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. C'est tout. Dieu il a un mot. Sorcier va me dire quoi? Il est vaincu à l'autre. Alléluia. Dieu est tout puissant. Il y a des actions prophétiques, tout fait. Vous serez très dangereux. Moi, il y aura ma ville, il commence à parler. J'irai à la direction du vent. On dit Dieu prend le vent, je fais des messagers. Le message, là, ça doit rentrer. Quand je commence à parler, puis je prends la tête, je jette dans la direction du vent. Tous les sorciers sont des alliés. Parce que là où je suis arrêté, là, ça appartient à mon papa Dieu. Ce qui est déclaré, ceci sera déclaré là. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous enseigner, action prophétique. Moi, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. C'est le pasteur qui vous enseigne, non, va coucher, va faire ça, va faire ça. Nous, on vous enseigne. Même le soleil ne se pas comme ça. Le soleil. Quand ça se couche, quand ça se lève, quand on doit faire. Tout ça, c'est biblique. Il y a versile et tout ça. Nos parents savent ça. Ils disent en bon, lever du soleil. Viens, il est béni. Ils savent.
Vous savez pas que quand le soleil commence à s'élever, tout ce qu'il aura a donné là, commence à mettre en exécution. Amen. Même si tu as oublié de prier, que tu sais qu'il y a un danger, il faut prendre de l'eau, commence à parler à la terre. À 5h06, je commence à parler à la terre. C'est fini. Tout est neutralisé. Ça brûle tout. Quand le soleil va brûler, ça va toucher la terre. La terre a réussi ce que tu as dit. Donc le roi dit, il a parlé, c'est fini. T'as fait ça, ça marche. Vous comprenez? Ça marche. Amen. L'année prochaine, je vais vous enseigner le pouvoir de l'eau. On nous enseigne le ciel. Vous savez que tout ce que Dieu a de la matière, nous pouvons tout avec. L'eau, vous voyez l'année, je vois ça. Amen. Vous voulez entendre beaucoup de choses. L'eau, là, c'est très dangereux. C'est bon, c'est dangereux. Tu peux beaucoup de choses avec ça. Quand la lune veut sortir, 4 jours en vent, 4 jours, parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, 4 jours en vent, la marée haute, la mer entre en mouvement. La lune sort. Et quand la lune sort, c'est là les pouvoirs mystiques et renouvellent leur force. Oui, la lune. C'est pour ça que nos parents vont, quand la lune sort, première nuit, ils vont adorer les petits. Et quand la lune sort, vous-même, les femmes, là, vous êtes obligés de voir vos menstrues. Dans la bêté, quand une femme a vu ses menstrues, on dit, elle a vu la lune. Hein? Il faut qu'on vous enseigne cette période-là. Quelle action mener? C'est des choses de le connaître. Vous êtes là, le ciel, mal au paradis, c'est rien acquis. Qui a dit le ciel? Que la terre, tu ne maîtrises pas. Comment faire pour te défendre, tu ne maîtrises pas? C'est tout ça qu'il faut maîtriser. Une fois que tu maîtrises, c'est fini. Vous savez, quand tu as le pouvoir de certaines choses, quand tu regardes, tu banalises les gens. Voyez, c'est quelque chose qui vient. Toi qui es en train de venir, c'est ça que tu es. Tu viens me faire quelque chose. Directement, il y a des choses, je vais te faire mettre sur toi. Oui. La vie dit que la vie et la mort sont au bout de mes lèvres. Jésus n'a pas parlé au vent, la tempête n'a pas arrêté. Moi, je suis enfant de Dieu. Toi, tu as venu tes mauvaises pensées. Là. Toi, tu as venu, mets-la sur moi. Je vais te montrer que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. J'ai appelé les démons qui vont venir chez toi. La Bible dit qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel est rentré en Saïl. Saïl, c'est Dieu qui envoie un mauvais esprit en lui. Hein. Amen. L'affaire à moi, j'ai envoyé un mauvais esprit. C'est moi, mais j'allais demander, moi, vous, tu veux. Je vais partir, tu vas où? Il va dans la mer. Il est stocké là-bas. Le jour où toi pensais que tu as voulu me nuire, j'ai envoyé ces démons-là chez toi. Le temps, ça n'existe pas. Ils vont se lever, ils vont venir dans ta vie. Et c'est fini. C'est pour ça que celui qui a fait un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il est en danger. Vous êtes béni. Il y a quelqu'un qui est béni. 2015, là, c'est notre année. Amen. Amen. C'est notre année. Amen. C'est notre année. Amen. Allons-y. Au moment où on devoir les trucs en place, la personne est distraite pour les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais est-ce que l'enfant même là, il a été une fois consacré à Dieu?